Have you ever realized that your neighbors can be your best friends or your biggest headache? This depends on how you interact with each other. From friendly waves to loud parties, interactions might shape your daily lives. Viewers of Africa TV, we are interested in knowing your stories. How do you interact with your neighbors in order to promote living together? Je dois avoir de bonnes relations avec mes voisins, puisque déjà, hein, c'est ma famille la plus proche. Et je dois impérativement vivre avec eux en harmonie. Qu'est-ce que j'entends parler par en harmonie? Bon, on doit s'échanger des bonnes paroles, de la nourriture si possible, de la boisson aussi. Oui, puisque quand il arrive un cas, ma famille est loin de moi. La première famille que je rencontre, c'est celle qui est à côté de moi. Donc, impérativement, nous devons vivre en harmonie, dans de bonnes relations. Dans la plupart des cas, mes voisins, je suis pas ce matin, on se salue la plupart. On n'a pas de soucis particuliers. C'est vrai que parfois, il y a des situations, quelques petits climats de bon voisinage, mais ça passe, ça, c'est tout. Les relations avec les animaux, les chiens des voisins et tout ça. Parfois, les chiens dérangent et tout ça, vous voyez un peu. Mais après, ça passe, c'est tout. Avec les voisins, comme on dit souvent, il faut éviter les problèmes. Du genre, le matin, bonjour, en soirée, c'est bonsoir. Bon, c'est bref. L'élément essentiel, c'est la paix, la paix. Je répète encore ce mot, c'est la paix. Le vivre ensemble est basé sur un élément essentiel, à savoir la paix. La paix n'est pas un vain mot, comme le disait un chef d'État africain. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Donc l'élément essentiel pour mieux vivre avec ses voisins, c'est de promouvoir la culture de paix, respecter la liberté et le savoir-vivre des autres. Donc il faut toujours se baser sur ce principe qu'est la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, aucune possibilité de vivre ensemble ne peut être possible. Particulièrement moi, je n'entretiens aucune relation avec mes voisins, que ce soit amical ou familial, rien, pour éviter les faux problèmes en fait, les problèmes du quartier en fait. Moi, je préfère rester chez moi et puis c'est tout. J'entretiens avec mes voisins des relations de convivialité. Nous sommes au quartier, on vit ensemble, on se complète. Ce que je n'ai pas et que mon voisin a, donc c'est de vivre ensemble vraiment. J'arrive chez mon voisin, il peut être en difficulté sur quelque chose, je viens l'aider. Et c'est vice versa. Hein. Souvent, il m'arrive de partager avec mes voisins et on se retrouve. Mais on prend même un pot, on bavarde de tout et de rien. Ce que je fais, c'est que je respecte d'abord la liberté de tout un chacun. C'est-à-dire que je ne peux pas essayer de violer l'espace de mes voisins. Je respecte leur domaine privé. Ça, c'est d'abord fondamental si on veut éviter les problèmes. Donc, pour que la paix soit possible, il faut toujours éviter d'empiéter sur le domaine privé de votre voisin. Tant que vous déversez vos eaux souillées chez le voisin, ça ne peut que créer des problèmes. Tant que vous, si par exemple vous élevez des animaux, disons domestiques, et que vous permettez qu'ils aillent par exemple empiéter sur le domaine privé de votre voisin, cela va les perturber et cela vous empêchera de vivre en paix. Voilà un élément essentiel pour cultiver la paix et le vivre ensemble avec le voisin. Donc l'élément essentiel tourne autour de la paix. Le voisinage est bien, mais c'est le savoir-vivre avec le voisinage. Parce que si tu as les problèmes, c'est ton voisin qui est à côté de toi. Ta famille n'est pas aussi à côté de toi. Ils seront les premières personnes qui vont venir au secours. Mais bien sûr, il y a les voisins qui ne sont pas sociables, quoi. Donc, qui dérangent. Mais si vous avez ce genre de voisinage, vous savez comment faire pour vivre avec eux. Parce que tout le monde n'est pas parfait. Vous vous supportez, mais vous n'entrez pas dans la vie privée. N'entrez pas dans la vie privée. Vous vivez le bonjour, bonjour. S'il est malade, tu lui dis bon, tu entres voisin, comment tu vas? Et puis ça passe. Moi, j'ai amené mon voisin à l'hôpital. Sa famille n'était pas là.
J'ai fouillé le téléphone, son téléphone, pour prendre les numéros de sa famille pour que je puisse appeler, contacter sa famille, pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Malheureusement, il est décédé parce qu'il a eu la crise d'AVC le lendemain. Il est mort. Et c'est moi qui ai appelé encore sa famille pour lui dire qu'il est décédé. Keeping good relationships with your neighbors is very important. It creates a harmonious living environment. It's all about communication, respect, and a little bit of kindness. So I invite all of you to respect, communicate, and share the little you have with your neighbors.